Le but de notre robot est de trier des pièces de différentes formes et différentes couleurs. Une sorte de pince qui va attraper la pièce et la mettre dans le bon conteneur. Donc la pièce chute sur une plaque horizontale et la pièce tombe devant les deux capteurs. Un capteur infrarouge détecte la couleur. En fonction de cette couleur, le robot va avancer ou reculer. Et les capteurs viennent se positionner en dessous de la trappe en fonction du scan qui a été effectué. C'est ça, couleur et forme. Ouais, c'est ça. On s'est fait secouer au point de contrôle et c'était beaucoup mieux. Ouais. Ce qui n'était vraiment pas facile, c'est la communication. Tous les membres de notre équipe s'entendaient très bien, il y avait vraiment une bonne ambiance. Le fait de travailler en groupe, ça permet à ceux qui sont moins motivés d'être motivés par rapport aux autres et tout ça. Moi, je trouvais ça une expérience vraiment enrichissante. Ça apportait des idées, on ne pensait pas toujours à tout, donc avoir des points de vue différents, c'est une bonne chose, je trouve. Autre chose de sympa aussi, c'est de partir d'une idée, on nous demande de trier des objets, et de partir vraiment de l'idée, juste comment trier des pièces, à finir au bout de quelques mois avec un robot concret. Et je trouve ça chouette de se dire qu'en première, on fait déjà des robots. On se rend compte au final que c'est beaucoup plus simple que prévu et que tout ce qu'on a à notre disposition nous permet quand même de construire un robot. Mais il faut être patient et bien suivre les étapes comme on nous l'explique au début de l'année.